Allez, j'en fais une autre pour ceux et celles qui connaissent pas encore Jurassic Park, Jurassic World. Bien sûr qu'on connaît Jurassic Park, Jurassic World. Non, je parle du dessin animé pour les enfants, évidemment. Jurassic Park, Jurassic World. Vous avez plusieurs saisons. Quatre saisons. Il y a à peu près 40 épisodes. Au moins, on a évité la catastrophe. Tu trouves qu'on a évité la catastrophe? Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas encore essayé? On va trouver une solution. Chaque problème a sa solution. Le mieux, c'est qu'on se sépare. On ne devrait pas être ici. Tout le monde sait que ce lieu est hanté. On fait quoi maintenant? Le 750. Journal de bord du Docteur Wu, numéro 239. E750 est extrêmement agressif. On a découvert le labo que Wu a utilisé pour créer l'Indominus Rex. Si tu trouvais que l'Indominus était méchant, on a déjà trop attendu. Il faut qu'on fiche le camp d'ici, tout de suite! Je ne vois pas. Voilà, donc on est à peu près à 5 saisons. Je dis une bêtise, il y a 5 saisons, ça fait à peu près 60 épisodes. Oui, c'est effectivement Jurassic World. Avec le docteur Wu, le même qu'on va retrouver dans tous les Jurassic Park. Dans celui-là, on a vu qu'apparemment il lui arrive malheur. Hein. Pour les 10 ans et plus, je le conseille largement. Il est extraordinaire. C'est plutôt l'histoire d'un groupe de jeunes et d'ados, et de pré-ados, d'ados, disons, hein, qui va être perdu au milieu de Jurassic World. Perdu. Et chacun a sa manière, a sa personnalité et va tenter de trouver des solutions pour survivre et quitter les lieux. Survivre et quitter les lieux. Parce qu'ils seront entourés et envahis par les dinosaures. 5 saisons, 60 épisodes. C'est la suite logique et morale de Jurassic World, un dessin animé, une série entière. Pour les petits, les 10 ans et plus, que je conseille de regarder aussi aux parents, si vous avez aimé les films, parce que si vous avez raté le dessin animé, il se peut que vous compreniez pas ce qui s'est passé dans la suite des films, hein. Parce que pour beaucoup, déjà, on sait ce qui s'est passé pour les créateurs de Jurassic World, et il y a systématiquement dans Jurassic World et Jurassic Park une règle d'or qu'on me fixe à moi, on me l'impose, c'est de créer de nouveaux dinosaures. C'est de créer de nouveaux dinosaures pour être sûr que les uns aient de nouvelles technologies, pour être sûr que les uns et les autres ne regardent pas le même film. Parce que si c'est pour faire les mêmes ingrédients et remuer la même soupe, ça sert à rien. Donc il y a forcément du nouveau aussi dans le dessin animé, ça on me l'a imposé. Hein? Et donc, à voir. Sans hésitation, si vous avez aimé Jurassic World, la série de films. Certains vont dire, mais ça fait longtemps qu'ils sont pas sortis autre chose. Eh bien, ça fait 5 ans que Jurassic World continuait sur les dessins animés pour les petits. Là, ce dessin animé s'est terminé en 2022. Et donc, on a considéré qu'il serait temps, après Star-Lord, parce qu'on sait très bien que l'acteur principal, l'autre Chris, est en train de tourner Star-Lord.
après Star-Lord de faire la suite de Jurassic World. Donc la suite de Jurassic World, vous savez, c'était on était avec la petite fille qui a été qui est devenue orpheline et les deux adultes qu'il récupère. Et il y a le fils de Will Smith, Jussie Smith, qui joue ensuite un des analystes de données qui est encore avec eux. Okay? Et c'est la suite de cette aventure-là, après qu'ils aient libéré les dinosaures, qu'on va tenter de mettre en place. Okay? Ça, c'est pour le troisième opus de Jurassic World, le film. Par contre, pour ceux et celles qui ne peuvent pas attendre, il y a quand même 5 saisons de dessin animé à regarder.